nations du Nord, Parakou, Italie et ses environs, le camp de prière refuge en Jésus-Christ organise 3 ans d'anniversaire de l'Église Mission Évangélique Refuge en Jésus-Christ de Parakou, Ndali, du vendredi 15 mars au dimanche 17 mars 2024. L'orateur principal, le président de l'église, l'évangéliste Jean-Baptiste Salifou. Programme du jour, le vendredi 15 et le samedi 16. Réveil de jeûne et prière. Délivrance, restauration, le salut effectif des âmes, prédication, enseignement. Dimanche 17 mars 2024. Le jour d'anniversaire, venez célébrer avec nous. Pour plus d'informations, contactez le numéro 52 55 05 07. Shalom, shalom, shalom. Quand il vient, refuge en Jésus-Christ. Nous sommes dans le deuxième jour. Cette nuit. Change la vie de quelqu'un cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. De ce soir et que quoi, ta malédiction va se transformer en bénédiction pour toi. La malédiction la opéchi sur ta vie asuyaira les ayama deviendra bénédiction cette nuit. La opéchido, comment on t'a maudit? La opéchido, si on t'a maudit, la opéchido, si on t'a maudit. Le Seigneur m'a aidé. Je dis dans cette nuit, tu pourras la soula de ton rouge. Cette malédiction va quitter sur ta vie. C'est comme tu ne sais pas ce qu'on appelle malédiction. Tu pourras dire la malédiction. Et il y a meilleur. C'est quelqu'un. Tu peux te contrôler au moins pour les 4 qu'il continue pas tourner tout au sein. C'est-à-dire? Et somonico. C'est-à-dire que tu prends une voix. Il a une carrefour. Et tu arrives à un carrefour. Il ne veut pas manger à son. Et tu ne trouves plus par où passer. Son roi. Depuis des années. Qui est toi, 200 000 dans le début d'un roi. Quand tu as commencé par compter 200 000, ça n'a plus jamais changé. C'est l'élu, pas million dans le million. Combien de fois tu as déjà compté million? Gardez million. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai une fois compté 1 million. Mais tu refuses tout, mais là, toi, là, tu es les amis. Tu La malédiction qui te suit.
Nous voulons prier. Le Seigneur. Dans cette nuit. Dans ton profil tout. Mon frère, on t'a maudit. Amen. La femme se dit qu'elle est allée au village faire une cérémonie. Mais à son retour ici, elle est revenue malade. Elle était paralysée, elle n'arrivait plus à marcher. Elle s'est promenée partout, ça ne marchait pas. Elle était restée paralysée. Donc, c'est cérémonie. Tu ne sais pas, même après. On peut te tuer pour ça. Le Seigneur. Il faut demander, on va te dire ça. On est là. Il n'y a rien. Il est déjà là, on a pas tout donné. Que si tu veux aller faire, tu ne vas pas aller te consulter. Si tu veux quelque chose, il faut bien te préparer d'abord. Si ce n'est pas ça, on viendra t'enlever. Faut attendre beaucoup ici. Mais toute langue. Tu n'es pas doux et normal dans ton pays. Que si on te voit, tu ne vas jamais réussir. Laisse rien mener. Dans cette nuit. Il faut regarder le soir de ton. Il faut regarder le soir de ton. Son père répondit et lui dit, Isaac, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Et de la rosée du ciel. Les jours qui te restent sur cette terre. Toi, ce ne sera plus bon pour toi. Et tati dit, vieux roi et fille roi. Son propre père qui est en train de le maudire. Hein? La demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Oui. 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Dis Amen. Oh, Amen. Tu penses à moi de que ma chana wo.
Oi aniu. Aye, a super non viu. Kemé elle vivlim la. Abe, et peu qu'on couti dans la bédéka. Amen. Dis amen. Et d'aller au profit du monde, c'est son père qui est en train de le maudire. Yaya, enfant, que les bénédictions sont terminées. Pour cela, pourquoi tu manges, c'est ton frère qui va te donner à manger. Que ton frère, c'est lui qui veillera sur toi. Mais si tu dis non, que ton frère ne peut c'est là il a dit quelque chose de vaillant que quoi. Si tu continues pas te battre, si tu te bats, si tu te lèves, tu te chauffes à sortir de ça. Que tu sortiras dedans un jour. Si tu veux vraiment sortir dedans, tu sortiras dedans. Si tu cherches à sortir dedans, tu sortiras. C'est dans ce qu'on t'a emprisonné. Tu sortiras dedans cette nuit. Dans le temps qu'on t'a tu sortiras dedans cette nuit. C'est pour cela que quelqu'un dit que c'est impossible. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Si tu continues pas persévérer, la malédiction que ton frère a mis sur toi, tu l'auteras un jour. Ce verset, ça me fait chauffer. Si tu persévères, tu ôteras ces problèmes un jour. Je ne sais pas ce qu'on a déposé sur toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a couronné avec. Ça peut être dans la colère que tu as laissé. Puisque si tu cherches quelque chose, tu ne trouves pas, c'est l'esprit de colère. D'autres vont commencer par te dire tue-toi. D'autres vont commencer par te dire comme toi-même tu vois, il n'y a plus d'autre. Mais si tu vas sortir dedans, tu sortiras dedans. Si tu dis tu vas sortir dedans, tu sortiras dedans. Tu dois prier. Je sors de toi. Je fais quoi? Je sors de toi. Si tu peux sortir, tu vas sortir. Tu vas sortir. Vous voyez sur cette terre, les paresseux ne peuvent pas le faire. C'est lui qui veut régner sur cette terre. C'est lui qui veut gouverner cette terre. Si on le voit, on sait, on sent. Mais il vous porte à l'époque. C'est lui qui réfléchit. C'est lui qui sait ce qu'il recherche. C'est lui qui sait ce qu'il cherche. Si tu le vois sur son Dieu, tu le verras dans son Dieu. Les autres places. Ce lieu-là montre que tu ne cherches rien. Écris cela. Si tu veux réussir, les autres lieux là plus zéro égale zéro parce que les gars pourquoi si tu sais ce que tu cherches, si tu sais la mission qui t'attend, voilà quelqu'un qu'on a maudit et que jamais ça n'arrivera. Mon frère s'est rentré dans la prière. Il a commencé à prier et a dit éternel, cette malédiction doit sortir. On ne m'a pas mis au monde, on ne m'a pas engendré pour être. Je dois enlever cette malédiction. Ce problème doit partir. Il est rentré dans la prière jusqu'à cela s'est produit. Un
un autre esprit est rentré en lui. Et comment faire pour tuer des gens, c'est ça qu'il a commencé par chercher. C'est là, avant de se ressaisir, il faudrait que je cherche. Toi, tu veux aller chercher voir qui est en train de me faire ça. Non, c'est pas ça. Ma pionce, je vais te demander. Non, ça t'es d'où ton calibre. Lorsqu'il fait pas nuit, est-ce qu'on allume une lampe? Des saïdoïs mitos. Ce n'est pas la nuit qui est arrivée, nous avons allumé des lampes. Les ouais. Comment se fait-il? Yo moi y'a clé sans vivre. Que toi tu veux briller sans les ténèbres. Comment? Hein? Je dis comment? Elle est PA. Est-ce que tu m'écoutes? Comment? Comment? Et Saïto, il fait nuit. Il ouvre le tito. Et puis la lune est sortie. Non, ça détourne. Mais s'il faisait pas nuit, là où le tito. Comment la lune peut-il? Le vivre de valer. Si les ténèbres ne sont pas là. Comment la lumière peut-il monter? Non, t'es pas devant Dieu. S'il n'y a pas de tentation, tu ne peux jamais compter l'argent que tu veux compter. Est-ce que je parle à quelqu'un cette nuit? Parce que dis-toi, pourquoi? À me faire unir son nom. Il marche deux à deux. Et nous mettons tout fortifié. Les situations te fortifient. Elles nous mettent tout cela dans la prière. Les situations te mettent dans la prière. Elles nous mettent tout où nous couvrons. Les situations t'ouvrent les yeux. Ah, on nous met tout de. Ta situation que tu traverses. Et les meilleurs vont donner le bonheur. C'est dans le bonheur ça finira pour toi cette année. Nous mettons tout en haut. Ta situation là. Cette année. Vivi-tu trop dans la gélope. Les ténèbres entouraient cet homme. Vivi-tu trop dans la gélope. Les ténèbres entouraient cet homme. Et moi. Je suis au milieu des ténèbres maintenant. J'ai besoin maintenant d'une lampe. Elle est vivi-tu. Tu es dans les ténèbres. Il reste que tu allumes ta lampe. Vivi-tu dans son lampe. Les ténèbres ne partiront pas. Vivi-tu dans son lampe. Le ténèbre ne te quitte pas. Si vous voulez là, coupez le groupe là. Il est là. Il est toujours là. Quelqu'un l'a envoyé à nous. C'est toi ta lumière qui va les dominer. C'est mon Dieu, où tu es là, il est là à tout moment. Éclairé. Si tu brilles, à droite par mais. Là lui il fait. Tu peux aller. Mais si tu as jeté, lui sort. Hey. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Alléluia. Amen. Sans vivitiné, sans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Voilà ce qui vous dérange. Isaac, est-ce que main? Saül est rentré dans la prière. Il a rencontré Dieu. Et Dieu va tout connaître. Comme ils se sont rencontrés, le grand frère, le petit frère. Esaïe qu'on a maudit est en train de parler maintenant à son petit frère qu'on a dit. Esaïe dit, nous que Dieu les a signé. Maintenant je suis dans l'abondance. Non vigne, mon frère. Oh nous les noisions. Garde tes choses. Non vigne. Ce que j'ai de pas pour toi, garde ce que toi tu as. Là tu sauras que les gens croisaient des choses. Oui. Les gens traversaient des choses. Attends-moi changer situation autant d'où. Tu peux changer ta situation. Attends-moi changer d'où. Tu peux changer ta situation. Mon frère, garde tes choses. Les miens dépassent les tiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la malédiction qui était. Il a détruit le problème qui était. Il a détruit la prison dans laquelle on a vécu. Dans l'amusement. Les doctrines de mer. Dans l'amusement. Les peuples vous mer. La hanou nous mère. Les fricales nous mère. La maison sous mère. Les pétons de notre mère. Les numéros. Les pétons de la prière. Pas la prière. Pas la prière. Mon fils.
Dis hey. Mais pour non mais les gars filés au peuple tient au bénin non mais là ils filés au peuple bénin. Vous voyez si quelqu'un veut aller à quelque part si on le voit on sait si il ne va si il va aller si on le voit on sait. Ma Rono Kuso maman très nominant. Je vais vous parler de certaines choses. Quand on est bien dodo là. Premier point c'est la prière. La prière change tout. La prière ça change tout. Il ne s'agit pas de ce qui se passe. La prière change ça. La prière change tout. Elle nous dit celui qui va réussir ne se fatigue pas. Celui qui va réussir ne dit pas je suis fatigué. Amen. Toi, tu veux réussir. Quel monde tu sais comme? Et tu dis, je me fatigue. Quand toi-même, tu vois, même si on remplit une valise d'argent, on met sur toi, est-ce que tu peux porter? Tu dis, tu te fatigues. Mais on a mis au Yonomo à tout pour remettre. Tu sais ce qu'on appelle rencontrer des situations de réamener. Cette fille, maman, il dit, dirige. C'est maman qui le dirige. Mais vraiment maman. Mais c'est que maman. Mais tu n'es ganoro. Le maître de l'argent. Maman. Maman. Dernière me voyez-vous. Ce n'est pas une mauvaise personne. Moi dernière me voyez-vous. Et ce n'est pas une bonne personne. Ah oui bien. C'est Dieu qui lui l'a créé comme ça. Oui vraiment. Maman. Comment on l'appelle? Bon ouais maman aïra olé. Avant que maman ne te bénisse. Maman a notre colo principe ici. Maman a des principes. C'est ceux-là que tu vas voir si tu arrives premièrement dans ta boutique. Vous verrez que tous ceux qui viennent ici au nord, quand ils ouvrent leur boutique, ça fait en même temps les gens sont rappelés après. Si tu te bouges vite, c'est là que tu vas construire. Quand tu as fini d'acheter ta roue, ou bien tu as construit une maison, ou bien tu t'es marié, et tu es allé payer des autres. Et dans la nuit, là, maman va te dire. Et maman vient se présenter. Mon frère, comment toi tu as monté cet argent, mais tu n'as pas fait comme ça. Et a fini mon micro. Mais tu as mes enfants, apprenez tout. Il a dit, allô papa. Et tu m'as compris, dit, hey, allô papa. Allô, dada. Hey, allô. Mais comment les choses étaient, je suis revenu tout à l'heure, et ça ne marche plus. Et ton coco, l'oreille, la mère. Tu as fait quoi? Est-ce que tu as déjà rencontré le monde? Pour soi la question. Alors, mais c'est pas moi, prenez tout à l'heure. Ou bien, vous n'avez pas constaté que tous là, ça fait. Ouais, mais pratico! Au moment où ça cognait, c'est là que tu commences à te promener. C'est là que Dieu nous connaît. Jean-Baptiste. J'irai voir Jean-Baptiste. J'irai voir. J'irai voir telle personne. Mon frère. Frère. Mais des fois que tu as compté au million, mais les. Toute personne qui va compter des millions. Et c'est le cas lui, m'a donné. Il y a un principe qui doit respecter. Sans y aider. Sans ça. Maman, t'en as mon coup. Maman ne te permettra jamais. Dis-moi. Quoi? Essayons. C'est des principes. Et quoi? C'est des principes. Et là. Et ici. Mais il y a un million de choses. Ceux qui vont compter des millions dans l'église. Mais tu y as un roi de nous, les mamans, quoi, il dit. C'est lui qui va combattre pour eux auprès de maman, c'est la dîme. Toi, il dit. C'est un homme la dîme. Toi, il y a un ça. C'est un homme le sacrifice. Et quand il est le plus blâmé. Il y a des principes dans la Bible. Non, tu te nommes mon ah. Si on vous dit, faites comme ça. Tu vas penser que bon. Mais si tu respectes ça, si tu finis de t'écouter, et maman se lève en même temps. C'est là que tu vois ces principes se mettre debout en même temps. Voilà, c'est mon enfant ici. Laisse-le partir. Et il quitte là. Si tu continues, attends, de 3 millions, 5 millions. Et tu commences par compter dans 3 millions. Eh bien, ils arrêtent. Mon frère. Frère. On va au blanc. Reviens en toi vite. Non, t'es dit, c'est le passage. A dit renommé pour. Tu vas chercher d'argent pour d'autres personnes. Alors, mais je comprends, mon médecin, il n'y a pas de mon gentil. Oh, mais. Il est roulant, on est où, on est où.
Ou bien vous ne comprenez pas, il y a des gens, vous ne savez même pas ce qu'ils font, mais l'argent là, c'est... Tu ne sais même pas combien de marchandises bien, bien, c'est où il est. Si tu le demandes bien, de maman. Il a raconté maman. Oui. Elle a dit bon santo, elle a dit rosetto. Ça peut être un païen ou bien un chrétien. Il a rencontré quelqu'un. Mais de Kalahani Nanamo, il est bon. Il a quelqu'un à côté de lui qui l'ouvre les portes. Toi, tu as rempli ta boutique. Et il nous a c'est pas de ça on parle. Et rien, ça s'annouamo. Tu peux être en train de vendre plus que tout le monde. Faut mettre ça 10 000 de carottes. Mais quelqu'un qui vend 10 000 par jour réalise que toi. Donc, on est quatre genoux, les moments. Parce qu'il y a un esprit derrière qui le guide. Ange, il est pour toi. Est-ce qu'il y a un ange qui est avec toi? L'ange là va te suivre dans la prière et dans l'église. Combien de personnes sont dans l'église? On les a dit, fais comme ça, il a fait. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous, les chrétiens, nous sommes perdus. Nous ne connaissons plus la voix. Mais il la main. Nous allons à l'église physiquement. Mais nous ne sommes rien devant Dieu. Mais spirituellement, nous ne sommes rien devant Dieu. Nous ne sommes plus rien. Ah, trop de garçons. Si tu vas te changer, alors change-toi. Amen, Fritolo. Secondo. Le pardon. Le pardon. Ouassons nous sommes calmes. Pardonner son prochain. Il va y être. Sur cette terre, comme tu es au moins de nous, nous sommes calmes. Tu ne peux pas voir ce qu'on a écrit sur toi sans pardonner. Et il est sorti, mon avis. C'est là qu'il a pris le peuple pour tuer son frère. Et la Bible dit non. Ça, oui, ça. Dépose ça. Le pardon. Le pardon. Alors, nous sommes calmes. Ou bien il n'a pas pardonné. Non, viens, regarde, il a les chiens. C'est sa bénédiction qui a pris, c'est son frère qui a pris sa bénédiction. Si c'était toi, est-ce que tu pardonnes? Bien profiter pour tu bouger les yeux. Si tu le vois, tu vas voir, c'est un fumeur de guerre. Ça là qu'il m'a fait là. Je ne vais jamais le pardonner. Et puis tu te ronges. Et sauter sa main au dos. Et sauter quelqu'un là autour. Tu as quitté ta lumière. Et sauver et sauter avenir autour. Tu as sauté ton avenir. Le pardon. Le pardon. Waouh, seul pardonner son prochain. Et c'est qu'il nous mille quoi. C'est un principe. Ido. Pourquoi? Miracho yo anu kodamia. Quels sont des gens qui font quelque chose avec toi? Amevevi. Des gens proches, des gens chers que tu ne sais jamais qui peut te faire ça. Mille dans ton milieu. Qui m'écoute très bien. Mais que tu sois ok, personne ne quitte ailleurs pour venir te faire quelque chose. Jamais. Mais nous n'avons pas nous conduit. Mais si les gens m'ont fait ça. Oui. Peut-être. Mais oui, bébé. C'est Dieu qui l'a envoyé faire ça. Mais c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un de faire quelque chose dans ta vie. Tu peux te lever contre lui et la terre. Hey. Hey. Mais où les coudes non maintenant. Dieu est derrière la personne. Le monde est Dieu, non, non, mettez les coudes. Mais vous croyez que quelque chose se passe s'il n'y a pas quelqu'un derrière? Non, on va venir au sortir de Rélo. Au temps de Noé, avec quoi on a détruit le monde? Et si tcha-tcha. Il pleuvait. Il a ouvert quoi? Qui a ramassé tout? Il a moulé du moulé. Et les gens criaient. Et si la la milo. Oh, l'eau est en train de. Et si la la milo. L'eau est en train de nous apporter. Est-ce que si la la milo? C'est l'eau qui les apportait. Non, non. Mais tu veux goûter, monsieur. C'est lui qui était derrière l'eau. Mais il me va nous coller. C'est lui que tu dis qui te fait du mal. Je sais, mais il va nous coller. Demande, pose-toi la question. Est-ce que c'est lui qui me fait ça? Mais le calebas. Il y a quelqu'un qui est derrière lui. Le calebas. Quelque chose est derrière lui. Nous pouvons cacher à toi, pour lui et nous sommes calmes. Une seule chose qui te donnera la victoire, c'est le pardon. Et ce qui nous vient. Il a pardonné à son père. Ils m'ont et il a dit, va avec. Mais tu wandes. C'est lui qui m'a créé. Il n'a pas dit le dernier mot. Il va encore me dire quelque chose. Et ils l'ont laissé. Ils lui ont dit non, ça. Non, nous dis à ton frère à côté de toi, pardonne ton prochain. Et nous sommes gamins là. Pardonne ton prochain. Amène ton toi. Troisièmement. Tachimaou na wa wa do nono.
Laisse Dieu combattre pour toi. Josué 11, verset 6. Josué 11, verset 6. Laisse Dieu combattre pour toi. Toi-même, tu veux le faire. Toi-même, tu veux rentrer dans la guerre. Mais quel combat tu sais que tu vas mener juste? Que Dieu combat pour toi. Pour toi, c'est la prière. Yehovah. Seigneur. Combat pour moi. Yehovah. Seigneur. Blom. Yehovah, tu moi, Seigneur. Non, Colom. Sois avec moi. Libéa. Josué 11, verset 6. Oui. L'Éternel dit à Josué. Ma Josué, moi ça. Ne le crains point. Mais voilà, oui. Et ça, ouais, nous tiens préparé la sorte de chinois, mais vous avez bon. Alors, nous tiens. Oui. Josué. Josué. Mais voilà, oui. Ne le crains point. Non, tiens, il y a un talo. Quand tu m'appelles, comme tu fais que je le fasse, je suis venu te dire que demain à pareil moment, je les livrerai et ils seront tous frappés. Le combat qui t'a poursuivi, Dieu seul qui est capable de les livrer. Laisse le combat à Dieu. Laisse le combat à Dieu. Laisse le combat à Dieu. Que Dieu te conduit. Que Dieu te montre le chemin. Que Dieu t'enseigne. Que Dieu te parle. Ceux qui écoutent Dieu, eux, ils ne tombent pas dans les trous. Ce qui fait que tu tombes dans des trous et que tu ne connais pas. Sur cette terre, comme moi tu vois, tu dis c'est la terre. Non. Il y a des trous. Il y a des épines. Que Dieu te dit, mets pied ici. Tu mets pied là-bas. Il dit, mets de l'autre côté. Et tu restes comme ça. Si il dit, fais comme ça ensuite. Tu fais ça, tu restes comme ça. Ne demande pas si c'est combat tu veux faire. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, mais vous ne voyez pas des chrétiens dire des trucs. Que bon, si ça arrive à un moment, on va enlever la chrétienté là pour déposer de côté. Laisse Dieu combattre. Si Dieu te guide, elle est bon pour elle. C'est facile. Elle est facile. C'est facile. C'est doux. Maoule blo. Que Dieu te guide. Que Dieu te retourne. Que Dieu t'oriente. Je sais de quoi je te parle. Si Dieu te guide, il y aura des combats. Mais tu seras en train de les contourner. Pourquoi? Tu écoutes Dieu. Parce que tu écoutes Dieu. Si Josué le batoya. Comme Josué l'écoutait. Qu'est-ce qu'il lui ne les crée pas. Comme c'est moi, tu écoutes. Reste là. Que tu seras en train de chanter. Merci oui. Seigneur. Merci Seigneur. Car tu es bon. Don Aignon. Toi tu seras en train de le célébrer. Que Dieu soit en train de te guider. Et sois dans les bonnes. C'est demain je vais finir ici. Mercredi, c'est le mercredi avant que je ne rentre. Non, le mercredi. J'arrive le mercredi. Ni somme, tu as un vendredi, mais à ton réveil, il est pas choué. À son, il y a un cachet quelque chose, il y a un anniversaire. Le vendredi, en même temps, commence le réveil à Bachoué qui va finir le dimanche, l'anniversaire. Non, le mercredi, on priait le groupe, mais jeudi. Et le vendredi, il dit, fais fille, toi, à ton réveil. Arrivé le mercredi, le jeudi, il y a la prière matin. Et le vendredi, il y a prière aussi, mais réveil mais le soir. Dimanche, là. Si on finit le dimanche, et ils sont même mardi, réveil, gangadi, gombele, tout le monde. En même temps, dans le mercredi, en même temps, le mercredi prochain, mardi. Le mardi suivant, en même temps, réveil commence dans le siège. Bah, oui.
Mais nos conférences, c'est d'ailleurs aller contre nous, l'homme, il place l'homme, il est des bonnes gens. Donc, il est à me voir pour les types de vanité. Et on a une conférence aussi à côté de nous. Et je suis en train de réfléchir comment faire. Mais tiens, il m'a utilisé, c'est il, nous, mon aîné, à nous donner les tâches, ma mère. Mais comme c'est mon Dieu que j'adore qui m'a dit que c'est comme ça, ça va se passer, est-ce que je vais refuser? Mon nom est Christ. Les bien-aimés à Christ. Si c'est Dieu qui est en train de te guider, ce sera mieux pour toi que si c'est toi-même qui le fais. C'est pour cela, moi je n'aime pas qu'on me voit des choses. Que Dieu lui-même me parle. S'il me dit passe comme ça, je vais passer. S'il me dit piétine le pied, je vais piétiner. C'est lui-même qui est venu comme ça. Votre problème est que vous dites que c'est Dieu qui est votre maître. Mais vous n'acceptez pas que si Dieu l'a dit quelque chose, vous allez le faire. C'est moi, j'ai menti. C'est moi, je suis devant vous maintenant. Non, mon bon, si j'ai dit maintenant, j'ai reçu une voix tout à l'heure que personne ne bouge avant demain matin 7h. 6h. 6h. Bouger ma voix de bébé. Mais pourquoi on dit personne ne doit bouger? Tu n'as pas de bébé. Et Dieu ne va pas te dire et en même temps te donner tous les détails. Ma oule plomi. Que Dieu vous guide. C'est mieux que les hommes vous guident. Aujourd'hui, c'est vos camarades qui vous étudient. Hey, oh, fais comme ça. Fais comme ça. Mon frère. Si c'est comme ça, tu continues de te perdre toujours. Ça veut dire. On ton nom est taché de qui nous a mis à demain, voilà, et bien les voix que nous mettons à demain. Ça veut dire toi-même, tu t'es laissé à quelqu'un pour qu'il te guide, mais tu te bats encore avec lui qu'il ne peut pas te guider. Nous avons fini qu'à nos pasteurs. Une jeune fille est restée chez un pasteur. Kaka Vagasu. Jusque se marier. Elle va être à son soutien, elle est un commandant. Et s'est mariée et son mari était un commandant. Pénica. Mais un jour. On soulève bas avant et on dit rien. Non, nous voici. Chachi, on nous voit. Chachi, il va y avoir quoi encore. L'homme s'est levé a dit que c'est quoi même la chose tout le temps dit église, tout le temps église, tout le temps église. C'est quoi la chose? Eh, on a mal résolu. Et c'est là la femme a dit ah, elle a quitté. Il va le regarder. Et elle est rentrée dans la chambre. Sa valise et tout. Et a pris ses valises. Si tu ne viens pas demander pardon à mon père, toi et moi, notre mariage, la famille. C'est lui mon Dieu. Si je pêche contre lui, sa grâce va quitter sur moi. Quand tu as méprisé mon Dieu, notre mariage s'arrête. Il est parti. Qui parmi vous peut faire ça? C'est là tu sais que tu as des enfants. Oui, c'est ça. Elle est rentrée. Comme il est commandant, c'est fini ça. Et toi, bon. Il est revenu. Il fait pas de produits. Il est venu se mettre à genoux. Pas sorti. Et le pasteur est retourné. Maté, le commandant. Ya. Il a giflé bien. Alors, le commandant, tu vas encore. Ce n'est pas son propre enfant, hein. Un fidèle comme ça. C'est comme ça on respecte son Dieu. Oui. Mais tu vas aller voir. Comme toi, tu es venu ici maintenant. Si tu sautes tout près là, tu ne peux pas avoir la paix. C'est pour cela qu'il t'empêche. Parce que le manteau de celui qui est sur toi, tu méprises la personne. Tu ne respectes personne. Tu te mets à genoux, la personne prie pour toi, tu le quittes, en même temps tu l'insultes. Bible à mon métier, d'achido, tu peux nous routiller. La Bible dit c'est lui
qui a imposé les mains sur toi et a prié pour toi, quand tu vas le quitter, l'insulter, cette parole, cette bénédiction qu'il a déposée sur toi devient une malédiction. Vous voyez le monde comme si c'était vain. Que Dieu vous guide. Qu'il est ton Dieu et que lui sache que tu es son enfant. S'il te guide, c'est mieux que toi-même tu te guides. Non, que la main, Seigneur. Dis à ton voisin, demande-lui s'il écoute. Mais il n'y a plus personne à qui on va dire fais comme ça et il va écouter. Et toi, le quatrième, la honte qui est venue sur toi, tu dois le retourner. Alors, c'est une honte qui est venue sur lui. Toi-même, le grand frère, on dit c'est ton petit frère. Et toi, le grand frère, c'est toi, tu lâches ton petit frère, dit tu n'as pas un peu de gars. C'est une honte. La honte qu'on a déposée sur cet homme, il a enlevé ça. La honte qui est sur ta vie. La honte qu'on a déposée sur toi. Et on se moque de toi. Tu passes, on se moque de toi. Mais c'est eux qui t'ont fait. C'est eux qui ont mis cette honte. C'est eux qui ont dit c'est comme ça. C'est eux qui ont dit c'est dans la destruction. Et toi-même, tu as accepté que c'est bon pour toi. C'est bon pour toi comme ça. La honte qu'on a déposée sur toi, c'est pas pour toi comme ça. Il faut aller lire sur toi. Et Dieu enlève ça sur toi. Avant toi, le cinquième, il a dit Dawawa. Le travail. Le travail. Le travail de la tête. C'est le travail qui a sorti. Et une prière. Et une prière. Et il se battait encore dans le travail. Et vous? Si vous priez, arrivez à la maison, vous dormez juste au soir. Jean-Baptiste va voir Kondomi sûrement. Mon frère, et où moi? Si on vous demande là, la prière que l'évangéliste a fait avec nous hier là, je suis tellement fatigué. On m'a donné une prière là. Et vous maintenant, c'est pas semaine. Et si vous venez même le dimanche, il ne fait même pas midi. Frère, pas semaine avant de venir prier. C'est au moins 15 heures avant de finir. Sixième. Alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. C'est ça aussi qui est quoi? Laisse Dieu combattre pour toi. Amen. Amen. L'alliance avec Dieu. Il faut répéter l'union. Adore Dieu plus que tout. Et le dernier est quoi? Adore Dieu plus que tout. Adorer Dieu plus que tout. Adore Dieu plus que tout. Adore ton Dieu plus que tout. Tu ne t'unis avec Dieu. Alliance. L'alliance avec Dieu. Alliance. L'alliance. Mais la vie, ça va être à cadeau. Toi, tu penses d'elle. Comment? C'est comme c'est la même chose. C'est l'alliance. C'est ça on appelle alliance. Et je vais te boire le rentrer. L'autre est à Dobo et toi tu as honte. Ça va dans son portable. Tu prends portable, tu prends portable. Sur Android, you. Sur tous ces Android. Point. Photo à voir. Point. Photo à voir. Point. Photo à voir. Point. Bienvenue, où est-ce que tu es? Bienvenue, femme. Attends, dada, on peut voir. Oh, elle est alliée, c'est moi. Surtout quand ils sont Android, tu entends point. C'est message. Point, c'est message. Point, c'est message. Mais viens, je vais te commander. Non, je viens. Elle est occupée. Il y a une alliance. Elle est dit, il est loin, mais il y a une alliance qui a deux travail. Mais comment tu n'arrives pas à voir cette même alliance avec Dieu? Comment à chaque minute tu ne penses pas de Dieu?
Tu n'as pas compris. Comment la fille peut être en train de dire c'est lui forcément jusqu'à prendre de produits pour prendre. Vraiment, Dieu a vu des choses. Dieu, vraiment, il a vu des choses. Combien de jeunes filles sont déjà mortes à cause des hommes? Est-ce bon? Ils ont pris des médicaments pour lui, justement à cause de ça. Bon, combien de personnes sont mortes pour Dieu? Mais les sortiments, ils vont à un nom, ma femme, bon nom, mais pas le jour. Combien ont pris déjà des produits que tellement je t'aime, Dieu, je vais prendre ces produits-là et venir chez toi, on va se voir là-bas. Nous savons aimer. Ça va être moi, je t'aime beaucoup. Ah, tu dis, oh chérie, je t'aime beaucoup. Chérie, je ne dors pas. Chérie, je ne dors pas. À cause de toi, je ne dors pas. Chérie, je ne mange pas. Chérie, je ne mange pas à cause de toi. Tu troubles mon cerveau. Tu troubles mon cerveau. Ok. D'accord. Je ne refuse pas. C'est très bien. Mais un Dieu. Tu l'apportes. Et qui veut veiller sur toi? Qui veut te guider? Qui veut t'orienter là? Comment tu l'oublies trop comme ça? C'est le jour que tu me vois, je commence à te parler de Dieu. Il y a des gens comme ça. Non, c'est Seigneur-là des règles. S'ils entendent la parole, ils sont d'accord. Ah, une semaine après, ils ont fini avec. Est bon, ça fait mal, c'est difficile. Mais les hande. Tu sais comme ça? Est bon. C'est difficile. Comment me boire de l'eau mais mauvais sous vos formes? C'est comme comment quelqu'un d'autre doit te rappeler ton Dieu que tu adores? Hein? Comment? Hamen quand on a wa boda de comme non que te bava no amo kwa du jibe ma. Mais tu vas faire ton gris dans la chambre et le lendemain il faut que papa grâce vienne te demander est-ce que tu as mis de boisson là-dessus? C'est quand vous allez chercher, vous ne cherchez pas ça. Amen, ni fatou tu remets. Combien de personnes sont venues dans l'église ici? Ils sont jubilés, non, non. Et ont pris une chaise, sont mis assis. Seigneur, dis-moi la trône de catch. Je voudrais me remettre. Parce que la vie que je mène ici là, ce n'est pas bon. C'est toi mon guide. J'ai tort. Père, je demande pardon. Ne m'amène pas dans la tentation. Et tu es assis ici. Et tu es en train de pleurer. Tu es en train de réfléchir. Et tu es ici jusqu'à veille. Et tu t'es levé, tu es allé à la veille. Qui a une fois fait ça? Hein? Qui a une fois fait ça? Personne. Mais si on dit maintenant, mets le feu sur des mauvais esprits, tu es là, tu mets le feu, tu envoies le feu. Tu es chaud. Je vais te dire la vérité. Tout est arrivé. Tout s'est arrivé. Trop les gars, il faut te renouveler. David, voilà ce qui a élevé David. Non, prends ça, mon frère. Dis à ton frère, c'est arrêté. C'est un refait. Et je vais là. C'est un refait. C'est un refait, ça. Arrêté. C'est un refait. Sinon, là. Si c'est pas ça, c'est pas bon. Et Nyoko. Trop de kawa. Il faut te refaire. Trop de kawa. Il faut te renouveler. Maouti, j'ai le vrai sang la terre. Dieu cherche des vrais amis. Des hommes qui font la torée en vérité. Les femmes qui font la torée en vérité. Mais il y a les prêts, les gars. Ceux qui seront prêts à tout moment. Mais il y a les personnes qui seront prêts à
à tout moment. Dieu, Dieu cherche ceux qui vont la prendre. Dieu cherche ceux qui seront prêts. Dieu cherche ceux qui vont se sacrifier. Dieu cherche ceux qui vont s'abandonner. Dieu cherche ceux qui vont s'abandonner. Dieu est celui qui est le vrai. Que le guide vient te guider. Que le guide vient te guider. Combien d'années que tu as pris, tu te guides par ta volonté. Est-ce que ça marche? On dit de faire ça là, tu dis non. Que toi, tu vois que si tu fais comme ça, c'est pas mieux. Et tu vois que si tu mettais ça ici, c'est pas mieux. D'accord, il faut aller revenir. Si ça marche, viens me dire ça, pourquoi je fais comme toi? Ça ne marche pas! Ça ne marche pas! Demande pourquoi on te dit. Ça ne marche pas. Et il y a un bon. Ça ne marchera jamais. C'est que les gens font juste sa réussite. Tu as vu coro comme ça. Quand toi tu fais, ça ne marche pas. Je te dis, je vous dis la vérité. Ce qui m'a élevé à ce niveau-là. Voilà mon frère. Comme je suis revenu, j'ai dit mon frère. Dieu me l'a encore redit que si je refuse son œuvre, que c'est fini. Quand je te parle maintenant, c'est fini à tout à l'heure. Mais on ne voit plus la personne. C'est fini, c'est à tout à l'heure. Et j'ai prié mes bagages, je suis rentré. C'est ça où je suis, où je suis là. Et si j'avais commencé par dire, comme ceux-là sont là avec moi, les choses comme ça, je vais faire ici, je vais arranger ici. Tu ne vas pas me connaître aujourd'hui. Je n'ai pas désobéi. Comme toi-même, tu vois, c'est celui qui a désobéi ici. Je serai en train de parler, tu entends ça comme ça, face à face. Tu sais ça? Oui. Moi, je suis au nom d'Ali. Alléluia. Amen. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Notre thème, on dit, la malédiction deviendra une bénédiction pour toi. Et si tu retournes, la malédiction, que c'est devenu une bénédiction dans ta vie. Ça devient bénéfique. Le malheur devient le bonheur. Que mon malheur devient mon bonheur. Maintenant, commence par prier. Commence par prier.
Yeah!
Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête pour que je prie. Seigneur, je suis venu te bénir et te dire que cette malédiction s'est transformée. Je ne veux rien dire d'autre que la bénédiction. Mais faites tout pour recevoir bien. Amen, amen. Il est là-haut. Je prie pour toi dans l'autorité de Jésus-Christ. Les ayam. Dans cette nuit. Oh, tiens, au fond, fallait. Toi, que tes pieds sont ici cette nuit. N'y a pas de fond de beaucoup. Sous mauvaise prophétie. A des batabatades. Des mauvaises langues. Dis que c'est comme ça, ça restera pour toi. Je pense que nos écrits avec le sang de Jésus-Christ. Tout mauvais écrit qu'ils ont. Qui dit que c'est comme ça, tu vas demeurer. Où soyez sur mon sang, tu Je pense avec le sang de Jésus-Christ. Il est saillé. Et dans cette nuit, oui, il est là. Je te bénis. Oui, il est là. Je te bénis. Oui, il est là. Que nous adjouions à la mort. Voilà où sa bouche
expulse ces bénédictions. Jemkwine kenu ajoye. La bénédiction. Quand pour m'insé, tu es tout le monde y a eu. Et tout esprit spirituel qui bloque ta bénédiction. Et ben, on déroule dans le monde. Aujourd'hui, je les enlève sur ton chemin. On a moulé, papa, qu'on a le chemin, même on l'aïe encore. Je te libère spirituellement et physiquement. Pourquoi tu l'as? On l'aïe encore. Je le crée que tu as volé. On l'aïe encore. Je te crée que tu as volé. On l'aïe encore. Je te crée que tu prends pas. C'est pour les tout. Je l'aïe. Dans la malédiction qu'ils ont mis sur toi, c'est enlevé sur ta vie. Pourquoi je vais vous imposer les mains? La malédiction va partir. Et la bénédiction va venir. Au nom de Jésus-Christ. Venez, venez en même temps pour que je vous impose les mains. Oh, mais ça va au sautant. Enlevez vos mains si vous voulez. Et puis pour du sauge. J'ai la malédiction sur toi. Et je pose la bénédiction sur toi. Et je fais ça. Quelqu'un fait pour du sauge. J'enlève la malédiction sur toi. Et je mets la bénédiction sur toi. La malédiction qui est sur ta vie. Je la lave sur ta vie. Et je mets la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez la sorte à l'ose. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez la sorte à l'ose. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez la sorte à l'ose. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez la sorte à l'ose. Je te pose la bénédiction. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Je te pose la bénédiction sur toi. Tu prends les mains à l'ennemi de moi. Tu es en train de faire quelque chose au milieu de nous. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. La malédiction sur toi. Soyez là sans corps. Et je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez là encore. Et je te pose la bénédiction sur toi. Non, mais 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 non, si tu es déjà pas. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez là sans corps. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur ta vie. Soyez là sans corps. Je te pose la bénédiction sur ta vie. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur ta vie. Soyez là sans corps. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez là sans corps. Je te pose la bénédiction sur toi. Regarde, soyez là. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur toi. Soyez là sans corps. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. J'enlève la malédiction sur ta vie. Soyez là sans corps. Je te pose la bénédiction sur toi. On t'a fait pour les autres. Je dépose la bénédiction sur toi. Un défi pour nous. J'enlève la malédiction sur toi. Et je dépose la bénédiction. Défi pour nous. J'enlève la malédiction sur toi. Et je dépose la bénédiction. Je dépose la malédiction sur toi. Je dépose. Défi pour nous. J'enlève la malédiction sur toi. Je dépose la bénédiction. Défi pour nous. Je dépose la bénédiction sur toi. Défi pour nous. J'enlève la malédiction sur toi. Commence par vos messieurs le Seigneur. Et dis Seigneur, merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu as exaucé nos prières. Les yeux sous Christ. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Pour le Seigneur Jésus.